Gloire à Dieu pour les cantiques, gloire à Dieu pour la parole de Dieu, gloire à Dieu pour les cantiques et la parole de Dieu, parce que les cantiques, c'est la parole de Dieu, nous chantons les psaumes, et nous ne pouvons pas dire autre chose dans les cantiques que ce que dit la Bible. Maintenant, le danger, quand on chante des cantiques, c'est de parler de nous. Et là, c'est dangereux. Et donc, il y a dit un jour, c'est quand on chante qu'on aime le plus. Bizarre ça quand même, c'est de quoi l'homme? Non, 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 c'est clair. Parce que il y avait un pasteur, un chrétien qui était dans une église, il y avait un cantique que les gens chantaient, qui dit « Je prie pour toi, tu pries pour moi, que Dieu nous unit à toujours par des chiens d'amour. Je prie pour toi, tu pries pour moi. » Donc il y avait une chrétienne qui chantait ça, et un chrétien s'est tourné vers cette chrétienne qui chantait ça, il dit « Tu pries pour moi, ça ?» Il dit « Non. Pourquoi tu chantes ?» Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ce matin? Ça ne peut pas décaler un cantique de ce que dit la parole de Dieu. On peut pas. Il faut que tout soit rentré dans l'ordre, on est obligé de faire rentrer tout dans l'ordre. Parce que sinon, il va s'établir nous. Mais quand est-ce qu'on devient hypocrite en réalité, qu'on a peur de mentir? C'est quand les cantiques parlent de Dieu. Là, c'est dangereux. Mais quand on parle de Dieu, on risque rien. Parce que tout est vrai. Que Dieu est bon, que Dieu est grand, que Dieu est saint. Mais quand je dis je, ça y est, j'y suis. Ça y est. Je disais l'un des cantiques qu'il y avait quand je chantais. Souvent, quand dans nos églises ici, on ne chante pas ces choses-là. Mais il y a des cantiques qui disent, par exemple, qui parlent beaucoup de nous. Je ferai ça, je ferai ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je fais ça. Il y a tant que tu le fais. Je ne partirai pas de ce lieu avant d'avoir été béni, dit un cantique. Et à un moment donné, il y avait Paul Barrière qui écoutait ça et disait, alors il ne faut plus partir, il faut rester ici. Hein. Parce qu'on dit en chantant, il faut prendre des résolutions. Donc je veux dire par là, pourquoi je dis ça? Pour ramener tout au diapason de la Bible, de la parole de Dieu. On ne peut pas être des gens qui connaissent la vérité sans respecter la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas de problème. Alors, bien sûr que déjà, quand on commence à dire des vérités, c'est le sujet de mon message ce matin. Le sujet de mon message, déjà, c'est ça. Le scandale. Hein, vous savez que la Bible dit, il est impossible qu'il n'y ait pas de scandale, mais malheur, par qui le scandale arrive. Dans la santé, on ne peut pas éviter. Mais il n'y a pas simplement le scandale que peut provoquer, bien sûr, en priorité. Un mauvais témoignage provoque un scandale. C'est scandaleux. Moi, en tant que prédicateur, si vous saviez ce que j'entends aujourd'hui, je ne vous le dirai pas ici, mais il y a des choses qui sont en train de se passer aujourd'hui, c'est un scandale parmi les prédicateurs. Le malheur par qui le scandale arrive. Et dernièrement, je disais à des chrétiens, à des pasteurs, les temps tendus, ça, ce qui s'est passé à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel église, à tel endroit. J'aimerais bien qu'on enregistre et qu'on n'a pas confirmé. Voilà. Donc, on a entendu ça, 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 ça. Donc, tu sais, il ne faut pas s'étonner de ce qu'on entend. Parce que le Seigneur est en train d'abord de juger sa maison avant de juger les païens. Donc, le jugement commence par la maison de Dieu. Et ce qui a été dit au creux de l'oreille est crié sur les toits parce que le Seigneur ne cache rien chez lui. Donc, attendons-nous à entendre les choses. Vous savez, c'est pas possible. Oui. Et comment ça se fait ça? Parce que c'était caché, que le Seigneur met en surface ce qui est caché. Vous savez, j'ai entendu parler qu'il y a la fonte des neiges de plus en plus. Vous savez que la neige est en train de fondre dans des glaciers. On est en train de retrouver des cadavres. Vous savez ça? Des alpinistes qui ont disparu dès que la neige avait couvert. Que la glace a découvert, et tout d'un coup, la fonte des neiges, le soleil qui fait fondre la neige, la glace, fait ressortir le mort.
Mais il était. Vous comprenez? Donc moi je dis ça pour que dans les temps que nous vivons, tout le monde de résolution, vous voyez qu'en fait avec Dieu, il n'y a pas de problème. Nous avons des chances encore aujourd'hui. Nous avons la chance de nous mettre en fête avec Dieu. Et il y a le scandale, je disais, que peut provoquer les mauvais témoignages, mais il y a aussi le scandale que provoque la vérité. Vous savez que quelqu'un qui dit la vérité devient scandaleux aujourd'hui? Ça devient un scandale, mais ce n'est pas lui qui avait le trouble. Ce qu'a dit Joachim à Élie, le roi Achab, quand il voit Élie, il dit, est-ce que c'est toi qui me le trouble en Israël? Non, c'est toi et ton péché. Donc ce qui avait provoqué le trouble, à un mot, bien sûr, c'est Élie lui-même, parce qu'il annonçait les choses vraies. C'était le prophète de Dieu. Et automatiquement, Achab a été révolté et a mis le scandale de son côté à lui. Là, c'est pas pareil. Vous comprenez? C'est-à-dire que la vérité provoque le scandale. Alors, j'ai lu cet exemple de l'évangile de Jean, de Matthieu au chapitre 15. Est-ce que le Seigneur, avec ses disciples, sont arrivés à un endroit, et je lis au verset 2, après on arrivera vite parce qu'il faut passer beaucoup de choses. Avec ses disciples, ils sont arrivés dans une maison d'un pharisien, il y avait des pharisiens, ils ne se sont pas lavés les mains. Parce qu'il y avait des traditions dans le judaïsme qu'il fallait, après avoir sorti dehors, quand on arrivait, il fallait se laver les mains, parce que c'était une tradition avant de manger. Mais la condition, c'était ça. C'est que les pharisiens disaient, en un mot, que si on ne se lavait pas les mains en rentrant dans la maison et on touchait un aliment, l'aliment qui était sale, sali du dehors, était avalé et ça salissait l'intérieur. Alors Jésus ne met pas d'une à l'heure. Écoutez ce que dit Jésus. Alors, lorsque Jésus a commencé à parler, et qu'il a dit les vérités sur ce que c'était, il dit au verset 10, ayant appelé la foule, lui dit, écoutez et comprenez, dit Jésus, écoutez et comprenez. À quoi ça sert d'écouter si on ne comprend pas? On veut comprendre. On n'est pas meilleur que les uns que les autres, il n'y a personne de meilleur. Il y a des gens qui veulent écouter, veulent comprendre, veulent comprendre, ils veulent rester plus longtemps. Alors il dit, ce n'est pas ce qu'il y a dans la bouche, ce n'est pas ce qu'il y a dans la bouche qui soude l'homme, mais c'est ce qui en sort de la bouche. C'est ce qui soude l'homme. C'est-à-dire, il a responsabilisé le système pharisianique qui veut aussi rentrer chez lui. Attention de côté pharisien. C'est l'extérieur, ce que vous voulez. Moi, je connais. Donc, les vérités qui ne sont pas vécues, c'est le pire des mensonges. Parce que c'est à ça que ça fait du mal. Alors les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Tu les as scandalisés. Jésus a provoqué le scandale. Parce qu'il a touché un système qui était tellement fort, tellement établi. On ne touche pas à ça, on ne touche pas le pharisien, on ne touche pas. On ne touche pas l'homme de Dieu par rapport à son ami, par rapport à ça. Mais quand il a touché, lui, à ce que le pharisien était plus extérieur qu'intérieur, et qu'il a dit tout simplement, ce n'est pas ce qui entre dans le corps qui le souille, même si les aliments sont tachés par les doigts, mais le problème, ce n'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. Et quand on touche à l'intérieur, alors on se sent responsabilisé. Parce qu'il est plus facile de la traverser en religieux que de vivre une vie religieuse. Vous comprenez? Donc, on est dans le thème, ici, et là, Jésus répondit, toute plante que mon Père n'aura pas plantée,
que mon père sera cérébral implanté sera déraciné. De toute façon, on dit, vous en faites pas, plus tard, on va savoir qui est qui, parce que le père va s'occuper de déraciner ce qui n'est pas lui. Et déjà, je vous le dis, parce que ça se sent de plus en plus, j'entends des nouvelles, je ne peux pas les dire ici, je vous le répète, mais je pense possible, qu'est-ce qu'il a fait ça? J'ai entendu des choses horribles. Au milieu des prédicateurs. Messieurs, je les exclus. Toute plante que mon père m'a replantée sera déracinée. Vous savez que le Seigneur a dit un jour que l'ivraie, c'est le malin qui l'a semé, l'ivraie. C'est lui qui a semé l'ivraie. Dans la parabole du blé, semeur sorti pour semer, Matthieu chapitre 13. Mais à un moment donné, il dit qu'ils se sont aperçus qu'il y avait de l'ivraie. Le texte il dira dès que le blé parut, l'ivraie parut aussi. Mais ça veut dire que ce qui a permis de voir les blés, c'est que parce qu'il y a eu un grain, dès qu'un grain, une tige de blé, a permis de faire voir la différence qu'il y avait entre ce qui était vrai et ce qui était faux. Ça veut dire qu'un vrai chrétien, déjà dans une église, fait beaucoup de travail. C'est un témoignage de fidélité, de pureté, d'humilité, de sainteté, véritable sainteté. Qui est une sainteté que pour Dieu, dans le respect personnel de tout ce qui se passe entre lui et Dieu. Et il dit que dès que le blé parut, l'ivraie parut aussi. Mais c'est-à-dire que l'ivraie parut, mais il y était déjà. Comment il a fait pour savoir? Parce que tout d'un coup, du blé est sorti. Une tige de blé. Et ça a permis de voir ce qu'il y avait déjà. Et quand il y a du vrai dans un endroit, ça permet de découvrir le faux. Donc, en un mot, ce qui va scandaliser, on pourrait dire que le vrai aurait pu te scandaliser. Mais scandaliser, c'est dans la vérité de ce que dit Jésus. Il a dit aux pharisiens, ce n'est pas ce qu'il y a dans le corps qui souille l'homme, mais ce qu'il y a dans le corps, c'est le problème, vous l'avez dedans, vous l'avez dedans. Vous ne bâtissez plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Alors, le blé peut dire la même chose. Vous êtes scandalisés. Mais parce que vous êtes du blé. Alors, si vous auriez été du blé, vous n'auriez pas été scandalisés. Et le scandale vient aujourd'hui, de plus en plus, que si l'évangile n'est pas vécu, nous sommes des gens qui vont scandaliser et qui vont être scandalisés par la vérité qui va être prêchée. Mais le scandale que nous sommes nous-mêmes est un scandale pour les païens. Donc on sera obligé aujourd'hui par rapport au temps qu'on vit de démontrer ce qui est, ce qui n'est pas. Et si les vérités aujourd'hui vont déranger le peuple, c'est parce que tout simplement ils vont se rendre compte que par rapport à la vérité qui est prêchée, qui est vécue et qui est prêchée, ça va ensemble, hein. Eh bien les gens vont se sentir que, mais dans le fond, je n'ai pas de lumière. Parce que le Seigneur donne la vraie version de ce que c'est livré. Scandale et disputé. Le Seigneur viendra arracher les scandales et à nouveau les mauvais témoignages. Parce qu'il faut attendre pour sortir ça, sinon on risque de toucher le blé. Si on touche l'ivré, et c'est vrai des fois, vous avez remarqué ça, que tout en touchant quelqu'un, on peut toucher quelqu'un de vrai à côté. Et vous savez que parfois, quand on touche quelqu'un, quand on touche l'ivré, il y a une famille qui est du blé qui peut toucher aussi. Aujourd'hui, notre peuple est dans ça. Notre peuple est doté dans les églises chez nous. C'est pas qu'une personne, t'as une famille à côté. Alors, 3, 4 ou 5 qui sont avec. Mais si l'on touche, on dirait que tout le monde est touché. Non, je ne touche pas toi, je touche lui, je touche. Tu dois se rendre. Il dit non, il a raison, je ne suis pas content. Mais aujourd'hui, c'est la famille entière. Comme si c'était des disputes de famille. Est-ce que vous me suivez ce que je veux dire? Je suis pas compliqué. Donc ça veut dire qu'on peut être touché parce qu'on touche quelqu'un de chez nous. Et si c'est la vérité qui nous touche, il faut être avec. Ouais. C'est tout.
Seigneur veut mettre de la clarté dans les temps où on vit par rapport au scandale. Ouais. Le scandale qui est. Le Seigneur met du scandale chez les pharisiens. C'est cela que le Seigneur a dit. Mais vous aussi êtes-vous encore sans intelligence, il dit, à ses disciples. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans une fosse. Il faut bien que quelqu'un y voie. Est-ce un tort de prendre quelqu'un par le bras et dire, attends, je vais te dire, alors ne fais pas celui qui tu veux, si tu ne vois pas. Il y a assez d'humilité pour que quelqu'un ne prenne pas le bras pour me faire traverser une route. Il va te faire écraser, mon petit. Alors s'il y a la vérité, s'il y a de la vérité, elle ne se vend pas, elle s'appuie dans les mosaïques, tout est en plus. J'en veux. Parce que la vérité, Jésus, la vérité nous affranchira, la vérité nous affranchira. Et nous libère, même si on fait du mal. Elle coupera toujours les biens qu'on peut avoir dans notre vie. C'est salutaire, la vérité. Alors, Pierre a dit, explique-nous cette parabole, je vais faire vite. Hein. Et je te dis, mais vous êtes aussi sans intelligence encore, hein. Ne comprenez-vous pas qu'un amour, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche. C'est important que ce qui en sort, et il dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui le soulève l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, la calomnie. Voilà les choses qui soulèvent l'homme. Non, après, moi, j'ai ça sur la main, c'est des traditions, c'est pas un problème. Il ne faut pas que les traditions, le pharisianisme prennent le pas sur ce qui est vrai dans notre cœur. Moi, je ne suis pas contre le voile, vous savez, c'est écrit dans la Bible, de toute façon, aujourd'hui, il y a des discussions sur ça. Il faut garder le voile, c'est écrit. Mais vous savez très bien qu'il y a le symbole du voile. Il y a ça et autre chose. Les frères, vous rentrez avec vos Bibles. Et c'est bien ce que vous faites parce qu'il faut avoir la Bible. Mais vous savez que si vous avez une Bible à la main, vous ne la lisez pas chez nous. J'arrive là, je suis parti. Déjà pas dans ce Bible, là. Est-ce qu'il la lit? Donc ça peut devenir quelque chose qui montre quelque chose. La Bible, vous l'oubliez. Ça veut dire ce qui est extérieur ne peut pas prendre le pas sur ce qui est intérieur. Et il va dire ce sont les choses qui sont l'homme. D'après les autres choses. Même si le fer a oublié son vol. Vous comprenez? Oui, dans le sens que je dis. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. S'il est ce qu'il est avec Dieu, il a oublié, tout le monde rentre. Mais peut-être qu'il n'osera même pas rentrer parce que je peux m'en voler. Donc, que ton cul, tu ne peux pas te prendre. Vous comprenez quel système vous pouvez rentrer? Je sais que là, vous êtes en train de vous questionner en vous disant qu'est-ce qu'il dit, Xavier, là. Mais je dis quelque chose qui est normal. Parce que, on ne va pas éviter de manquer une réunion parce que j'ai oublié ça. Il y a quelqu'un qui se laisse sa Bible chez lui. Ah, j'ai essayé ma Bible, pas encore, j'ai essayé ma Bible. Mais attends, ça ne fait rien. Ça peut arriver une fois, ça. Voilà. Ne l'oublie pas. Mais ne te prive pas de quelque chose qui est primordial, quelque chose qui est extérieur. Est-ce que vous me suivez là maintenant? Amen. Alors ça veut dire que ça peut provoquer des scandales. On lui dit que Jésus a été provoqué un scandale chez les pharisiens. Alors on continue dans le scandale, si vous voulez. Et quand c'est Jésus qui provoque des scandales, vous avez le païen qui. La prédication de la croix est un scandale. Et puis dans les Corinthiens, hein, il dit que la prédication de la croix est un scandale pour les juifs et une folie pour les païens. Mais pour le juif, c'est du scandale. Pour le païen, c'est de la folie. C'est plus grave le scandale que la folie. Puisqu'il ne croit pas l'autre. Mais il croira un jour peut-être. Mais lui, il est scandalisé par là. Prédication de la croix. Si je dis ça, c'est parce que ce qui scandalise le plus aujourd'hui en réalité, c'est quand on continue à parler de la croix. Ça implique un renoncement. Ça implique la crucifixion.
Ça implique tout simplement que nous ne sommes plus libres. Quand quelqu'un porte sa croix, il est plus libre. Quand vous voyez quelqu'un, disait l'homme de Dieu, qui porte sa croix et qui s'en va dans un endroit, c'est même pas la peine de lui demander où il va. Il dit, je vais le suivre. Mais tu vas pas ce que je porte. Quand on voyait quelqu'un porter une croix, on allait le crucifier. Alors si on lui dit, tu veux pas venir, je peux pas, je vais me faire crucifier. Je vais me crucifier, moi. Vous me suivez? Donc ce qui prône son renoncement et sa vie de renoncement en tout, il n'a pas le temps d'aller nulle part, il va mourir. Parce que si on ne meurt pas, on ne donne pas la vie. Il y a la parole de Dieu. Paul disait, en mourant, je donne la vie. Si je garde la vie, je ne peux pas donner la vie, je donne la mort. Donc il faut que je meure pour donner la vie. Et il faut que nous, on soit crucifiés pour donner la vie. Mais ça, c'est vérité de l'évangile, de la croix. C'est un scandale. Quand on parle sur les détails que produit la croix, ça devient un scandale. Imaginez par exemple des frères ou des sœurs qui parlent ensemble et parlent sur quelqu'un. Et quelqu'un dit, mais moi j'arrête, je m'en vais. Ça devient un scandale. La personne qui s'en va devient un scandale. Madame Murray ne veut pas faire que l'un vôtre. Mais non, j'aime pas murmurer. Moi, j'aime. Mais je ne critique pas, faites pas. Non, tu critiques ma soeur, tu critiques mon frère. Faut arrêter. Donc, n'essayons pas de spiritualiser quelque chose que la Bible est en train de. Et vous voyez, le scandale qui est provoqué, il provoque le scandale parce que moi, non, j'arrête, je ne parle pas. Donc, ça devient un scandale dans les gens qui sont chrétiens, mais qui ne veulent pas aller plus loin, qui ne veulent pas porter la croix, parce qu'il est crucifié quand il est crucifié. Il éprouve quelque chose du crucifié. Ça, là, ne s'attache au palais, dira la parole de Dieu. Sur la croix, Jésus a éprouvé quelque chose, dit ma lame ne s'attache à mon palais. Mais où est-ce que la lame ne s'attache au palais pour qu'on ne puisse plus la décoller? Quand on est crucifié. Mais tant qu'on n'est pas crucifié, on parle. Et vous spiritualisez ça en plus, mais c'est ça qui est dangereux. Si on dit t'as raison, vous voyez, là c'est bon. Quand il y a quelqu'un qui reprend quelqu'un par rapport à son attitude qui est spirituelle, qui vient de Dieu, ça devient un scandale à lui. Mais quand quelqu'un qui est à côté, au lieu de se révolter et de vouloir arranger sa spiritualité, il dit non, t'es dragon, il a raison. Stop. C'est bon, t'as compris la vérité. Le scandale de la prédication de la croix n'est plus un scandale pour toi. Puissance de Dieu. Toute vérité qui n'amène pas la réalité de s'humilier ne devient pas une puissance de Dieu pour nous, parce que la croix produit la puissance de Dieu. Il n'y a pas qu'un signe, il n'y a pas qu'une croix, Excusez-moi ce que je vais vous dire, mais moi je me souviens quand j'étais jeune, quand j'étais petit, il y avait des films qui étaient des vampires. Je me souviens. Et si on mettait une croix, on faisait ça. Vous vous rendez compte de comment on présente la croix? Parce que vous voulez faire ça avec une croix. Non, ça ne marche pas, c'est une silence. La croix, c'est pas quelque chose, c'est pas un signe, quelque chose qui est vécu à l'intérieur. C'est la folie de la prédication de la croix. C'est une folie! Un chrétien fidèle, c'est un fou. Excusez-moi de vous dire ce que je vous dis. C'est un fou, le traqué, pas besoin de Dieu. Et c'est le christianisme qui critique ça. Et vous avez des prédicateurs qui accompagnent ça. Et allez, c'est vrai. Nous rendons des comptes à Dieu. Malheur pour ceux qui scandalisent. Aujourd'hui, il va y avoir la paye de l'ouvrier. Salaire de l'ouvrier. Un salaire pour le péché. Le salaire du péché, ça veut dire qu'il y a un salaire dans le péché. Celui qui sert le péché, la désobéissance, le laisser aller, la légèreté, va recevoir son salaire à la fin du mois. Et il reçoit son enveloppe. Il reçoit l'enveloppe, il sort dedans, et il dit la mort. Il le cache. Le salaire du péché, c'est la mort. Pour le païen, mais pour le péché. Parce que le chrétien, ne veut plus pécher. La grâce dont on se sert aujourd'hui de plus en plus, c'est la grâce qui couvre la désobéissance. On a mis la grâce dans un domaine qui n'a rien à voir avec la Bible. Vous le savez, ça. Vous êtes enseigné ici aussi. Donc je voulais par là que la grâce qui permet le péché, c'est la pire des choses qui puisse exister de se servir de ça. On peut se servir d'autant, on peut tordre le sens des Écritures, dit. On doit faire dire à la Bible ce qu'on veut. Parce que ça nous intéresse de dire comme ça. Mais non.
Et il dit, ceux qui tordent le sens des Écritures, dit, c'est pour leur propre ruine. C'est pas qu'on lance un rabbinat, comme on dit, ça va t'arriver à ton corps. Non, c'est pas ça. C'est que toi-même, tu es en train de fabriquer quelque chose qui va t'arriver toi seul. Tu es en train de t'écarter. Jésus et la Bible vont ensemble. On ne peut pas plus aimer Jésus que la parole. C'est un homme de Dieu qui disait, les Écritures sont en page imprimée ce que le Christ est lui-même. Les Écritures sont en page imprimée ce que le Christ est là. Jésus et les Écritures. Je t'aime, je garde ma parole. Non. Si quelqu'un m'aime, il garde ma parole. Et ensuite, il va dire comment faire, parce qu'il est clair, je ne lui dis pas qu'une chose. Il dit, si quelqu'un ne m'aime pas, il ne garde pas ma parole, mais ce n'est pas la peine que tu le dises. Si, je suis obligé de le dire. Parce que même si quelqu'un ne le fait pas, il dit de vous faire. Non, il dit, moi je suis clair. Celui qui m'aime, il garde ma parole. Celui qui ne m'aime pas, la preuve qu'il ne m'aime pas, la preuve qu'il m'aime, c'est qu'il garde ma parole, la preuve qu'il ne m'aime pas, c'est qu'il ne garde pas ma parole. Donc, si quelqu'un dit, je vais à la réunion, tu gardes ma parole, non, tu ne peux pas. Tu ne l'aimes pas. Je ne l'aime pas. Ce qui prouve qu'on l'aime, c'est que. Même si la Bible nous scandalise, et des vérités peuvent aussi nous ébranler. Moi-même, quand je l'allais, je suis ébranlé, les frères, je vous le dis, c'est vrai. Quand je lis, il y a des choses, c'est bon. Mais les vérités ne doivent pas me scandaliser. Il faut que je sois d'accord, non ? Mais. Je ne suis pas au niveau. Et tu ne me scandalises pas, Seigneur. Au contraire, tu me guéris. Tu me fais du bien. Je ne suis pas scandalisé par la vérité, parce que la vérité, vous l'entendrez, elle vous affranchira. C'est vous la parole de Dieu. Quand on t'a dit comme étant une épée, l'épée te transpercera l'âme, il dit toi, Marie. Mais pour que le cœur des gens soit dévoilé, révélé, il faut que l'épée te transperce l'âme à toi. L'épée qui rentre à l'intérieur, transperce l'âme. L'épée. Mais le cœur des gens seront dévoilés. Quand l'épée agit dans une vie, le cœur sont dévoilés des gens. Un chrétien est gênant, même s'il ne parle pas. Ce qu'a dit un jour, un homme de Dieu, c'était un homme de Dieu d'une certaine époque. C'était dans les années 1500, 1600, il y avait des. Le centre de Dieu à cette époque-là, c'était une ville à l'église. Hein. Et il y avait un jeune qui était c'était son maître, lui, cet homme de Dieu. Il le suivait partout. Il avait des élèves. Mais il n'avait jamais entendu prêcher. Et un jour, cet homme, il dit, on va dans le village à côté et on va prêcher. Alors, tout content, maintenant, je vais écouter prêcher. Je vais écouter. Il va dans le village, il va dans le village, et bon, il sort du village, il revient chez lui. Et l'autre, tout étonné, il dit, maître, vous avez dit que vous allez prêcher. Il dit, on a prêché, il dit, nous avons vu. On a prêché, et nous avons vu. Jésus était gênant. Et à un moment donné, il marchait dans le temple d'un côté et de l'autre, il dit, et les pharisiens faisaient ça. Et combien de temps tu nous entends en suspens, tu le fils ou pas? Il disait rien. Il est énervé. Il est énervé. On va être un sujet de scandale quand on veut faire la volonté de Dieu. On aura presque peur de scandaliser quelqu'un. On va faire aussi quelqu'un qui tue les gens, on ne se sert pas de l'épée pour tuer, pour délivrer. Mais il est évident que le scandale vient de la vérité. Plus de la vérité que du mensonge en réalité. Bien sûr que les gens sont scandaleux. Il y a le mauvais témoignage qui est un scandale. Et je vais vous lire ici ce passage de maintenant qui vient aussi. Matthieu 16. Le verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis ? Moi, le Fils de l'homme,
Vous entendez, hein? Qui dit donc que je suis moi le fils de l'homme? Pose la question. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent, et les autres encore, chacun a son opinion. Hein? Et après il dit, et vous? Là c'est dit grec, il dit, et vous? Pour vous, qui je suis? Qui dites-vous que je suis? Alors écoutons la réponse de Simon qui est très connue. Simon Pierre répondit que le Christ, le Fils du Dieu vivant. Maintenant, arrive la réponse de Jésus. Dans cette réponse de Pierre, Jésus prend la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, tu es heureux. Voilà. Cette révélation, elle ne vient pas de la chair, ni du sang, elle vient de mon Père, c'est lui. Il dit, elle est révélée. Ce qui t'a été révélé, il dit, c'est mon Père qui est dans le ciel. Ça vient de Dieu que tu me reconnaisses comme étant le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est là qu'il est moi sur cette pierre, bâtir mon église. Que Pierre, ça veut dire que Pierre n'est pas l'église, c'est une pierre qui est dans la confession de Pierre, vous le savez. Chaque chrétien qui confesse ce que Pierre confesse devient une pierre vivante du corps de Christ, de l'église que Christ bâtit. C'est lui qui bâtit son église, là. C'est pour ça qu'il y a une différence quand c'est Christ qui bâtit et quand ce sont les hommes qui bâtissent. Ça ne tient pas. Mais là, il dit, même les portes de l'enfer ne pourront rien contre eux. Alors, la révélation est donnée, c'est formidable. Promesse, c'est formidable, ça. Hein? Il dit, tu es heureux. Et je me réveille un jour j'avais prêché sur ça, tu es heureux. Sur la confession de Pierre. J'avais une plage blanche, comme j'ai ici. Mais là, il y a beaucoup de choses qui sont écrites, vous ne voyez pas tout. Mais il y avait écrit, j'avais mis ici, tu es heureux. Et j'avais laissé tout ça tout blanc. Il n'y avait plus rien, il n'y avait rien. Vous voyez, j'ai mis tu es heureux. Alors j'ai dit, j'aurais pu ajouter tu es heureux parce que tu as acheté une machine à laver pour ta femme, tu es heureux parce que tu as changé le carrelage, tu as changé les murs, tu es heureux parce que tu as acheté ça, ou ça, ou ça, ou ça. Tu es heureux parce que tu as une voiture neuve, tu as une voiture bonne. Il y en a beaucoup de choses qu'on peut mettre qui peuvent en avoir. Il dit non, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu es heureux parce que tu es un chrétien. Et comme moi, je sais que tu as besoin de certaines choses, c'est moi qui te les donnerai. T'en fais pas, il dit, vous n'avez même pas besoin de les demander, a dit Jésus. Ce sont les païens qui s'inquiètent de ces choses. Il dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin. C'est pas de souci. Et même un chrétien va être heureux dans un autre domaine. Écoutez bien, j'ajoute ça, parce que c'est écrit dans la Bible. Ils ont accepté avec joie l'enlèvement de leur bien. Ça veut dire qu'on peut être joyeux parce que Dieu ajoute quelque chose. J'avais une voiture vieille, il y a une voiture neuve. Trop mieux, pas de problème. Hein? Je change mon salon qui était un peu vieux, j'ai un salon neuf, gloire à Dieu. J'ai quatre chaises, ils m'en donnent six à ma table, gloire à Dieu. Hein? Maintenant deux de plus. Maintenant, si j'avais quatre, il m'en a neuf de. Oui. Qu'est-ce que t'as, petit poudre? M'enlever ça. Mais ils ont accepté, avec joie. Est-ce qu'on connaît ce christianisme chez vous? Est-ce qu'on connaît la joie quand Dieu enlève? Vous dites ce que vous? Est-ce qu'on connaît la joie quand les frères la connaissent? On est dans la joie quand on va chercher un prisonnier qui soit dans la prison avec un membre de notre famille, on fait un grand repas parce qu'il est sorti de la prison, venez, on sortait de la prison, voilà, c'est content. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous savez qu'il y a des frères qui sont heureux, puis je ne sais pas s'ils sont rentrés en prison, mais qui sont chrétiens? Ou qu'est-ce que vous ça? C'est martial, non? Non, il existe des chrétiens qui existent encore aujourd'hui. Un homme a été condamné à mort dans le Moyen-Âge, écoutez bien. Condamné à mort parce qu'il était chrétien. Il a demandé, parce que tous les chrétiens ont fait une pétition, ils voulaient demander au gouverneur de cette ville une pétition pour qu'on ne le tue pas, pour qu'il ne meure pas. Au moins ça. Et lui a écrit une lettre à l'église. Il leur a dit, je vous en supplie, n'en faites rien, laissez-moi vivre. Non, il connaît la mort. Il dit non. Je vis. Je meurs, je vis. Vous voyez, on est là, moi avec lui, mais qui c'est Jean? Qui est Jean? L'église.
L'Église qui arrive à se réjouir, même quand on enlève, même la santé de quelqu'un peut être enlevée. Et Paul qui avait tous les droits pour sa santé, il avait tous les droits, hein, parce que quand même, c'est l'apôtre Saint Paul. C'est... Le Nouveau Testament, c'est lui. Parce que, à part les évangiles, c'est lui. Quand il a demandé parce qu'il avait un problème dans son corps, il avait le droit de demander, non? Il avait les cinq ministères, les neuf dons spirituels. Il avait tout. Et quand il demande à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, tu pourrais prendre une fois, deux fois, trois fois, et puis trois fois. Le Seigneur répond, il dit, Paul, ma grâce te suffit. Je te guéris pas. Parce que ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Alors il dit, oh non, non, c'est bon. Si tu te glorifies plus de ma faiblesse, il dit, alors je veux être faible, passer par des problèmes, des difficultés, pourvu que toi tu sois fort dans ma vie, dans ma faiblesse. Qui sait ça, Paul? Où c'est écrit dans les Bibles? Est-ce qu'on connaît ces textes-là? On ne connaît plus les textes de volonté, de prospérité. D'abord, c'est l'évangile de la prospérité. Nous sommes dans un temps dangereux qui est en train de vouloir postuler, pousser le vrai évangile. C'est ça, cet évangile. Avec des prédicateurs qui viennent comme ça, et essaient de pousser nos anciens et nos prédicateurs qui sont dans cet évangile, et essaient de pousser nos chrétiens qui veulent cet évangile du renoncement pour faire accepter l'évangile de prospérité. De joie. Des cantiques qui n'ont aucune base biblique. Ne chantez pas ça, s'il vous plaît, au nom du Seigneur. Ouais. Ne chantez pas des cantiques importés de certains pays. C'est faux. Vous avez des œuvres de la foi, vous le savez, de toute façon, vous avez des églises qui s'adressent. On peut dire pas trop. Non, mais je ne veux pas rester là. Aujourd'hui, on est poussé par l'évangile de prospérité. Et les gens qui souffrent pour l'évangile vrai et qui voient les autres comme sous leurs yeux. Par la grâce, par la foi, on doit le péché, sans ouvrir la parole de Dieu, mais Dieu. Excusez-moi, tu te moques de moi ou pas? Tu veux être joyeux sans ouvrir la parole de Dieu? Ce qui nous rend heureux, c'est sa joie à lui. Je veux que ma joie soit en vous, afin que votre joie soit parfaite. Tu es heureux, Simon, parce que tu m'as reconnu comme étant le Christ. Il n'y a pas de problème sur ça. Être heureux, c'est être biblique. Mais être heureux biblique rend malheureux extérieur. Le corps souffre. Il y a deux tempêtes. Vous avez la tempête qui est extérieure parce qu'on veut obéir à Dieu et ça provoque la tempête. Ça, c'est sûr, vous voulez obéir, vous voulez être humiliation. On ne peut pas promettre autre chose. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, vous aurez des bénédictions. Mais c'est faux, c'est pas écrit. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage avec le monde. Et quand on veut obéir à Dieu, on provoque une tempête extérieure. Mais là-dedans, il y a le calme. Il y a la sérénité. Il n'y a pas une seule vague. Pas un seul courant d'air. Et dehors, ça souffle beaucoup. Et le chrétien reste fermé. Reste fermé. Maintenant, je peux changer, moi, cette tempête. Je veux le calme dehors. Il faut passer des compromis. Accepter. Péché, la désobéissance, tout ce qui est faux. Calme. Et dedans, tempête. Attristement de l'esprit. On entend les pas du Seigneur qui dit je vais sortir de chez toi. Tu vas rester tout seul. Et tu vas rester avec une structure évangélique qui n'a rien à voir. Qu'est-ce que vous voulez être ce matin? Je vais vous promettre mon bénédiction physique. Vous avez des frères qui meurent aujourd'hui. Nous, on est ici, là. Vous avez des frères qui sont en prison. J'ai lu un article en fait, il y a 20 ans qu'il est là-bas. Il est sorti encore. 20 ans de prison, il fait la vie. Parce que c'est un chrétien. 20 ans! Paul qui chante des cantiques. On l'a frappé avec Silas, dans une prison, on l'a jeté à coups de pied dedans. On a mis des sacs aux pieds. Ils ont attaché les pieds et tout. Ça s'appelait un carcan, ça. Il a reçu des coups de bâton, et dans la prison, et dans la ville, on entend chanter des cantiques. Chanter des cantiques. D'habitude, un prisonnier se plaint, vous avez tellement l'habitude d'entendre le prisonnier se plaindre, le prisonnier qui se plaint, il y a un problème. Vous n'entendez que ça. Mais dedans, il y a des vrais chrétiens, là. Eux, dans cet endroit, ils chantent des cantiques, et le prisonnier les entendit. Il dit, qu'est-ce que c'est, ça? Comment ils font pour chanter? Voilà la démonstration du vrai christianisme.
Quand le chrétien est capable de chanter dans les temps qu'on vit, c'est dur. Je vous le prêche, je sais de quoi je parle. Je sais que c'est dur. Je pense, je ne vais pas m'embrasser non plus, je n'ai pas sur terre. Je sais que c'est dur. Alors, le scandale peut venir parce que nous gardons la vérité. Et on devient scandaleux pour quelqu'un qui reste fidèle. Si quelqu'un est vrai avec Dieu, qui continue à être vrai avec Dieu, qui loue le Seigneur dans ses problèmes et ses difficultés, toute l'Église le sait. Il sait qu'il passe par des problèmes. Hein? Qui mieux que l'Église, que les saints, et même les païens, pour tant de souffrages, mais il ne manque jamais aucune réunion. On ne dirait pas qu'il a des problèmes, il chante des cantiques quand même. Il loue Dieu. Ça devient un scandale. Vous savez que quelqu'un qui est fidèle, il dit, on peut l'appeler un fou. Quelqu'un qui est serviable, a dit le Seigneur. Par exemple, quelqu'un qui dit, mais les autres chrétiens disent ça, il n'y a que toi qui fais la salle. Mais tu fais un heureux. Entendez-vous? Il y en a d'autres qui vont le faire. Je vais vous dire que mon chrétien, c'est bien ce que tu fais. Mais tu es folle. Tu es fou. Tu dois toujours t'aider d'arranger les chaises, d'aller chercher les âmes, toi. Il faut que ce soit toujours toi. Et il y a des chrétiens qui viennent trouver cette personne. Mais tu es folle, hein? Attendez, écoutez-moi. Vous êtes en train de dire raca à votre frère. Et vous savez pourquoi on lui dit qu'il est fou? Parce qu'il est fidèle. Parce qu'il est gentil. Il se passe une manche. C'est un biblique. Il n'y a pas de fou parmi nous. Si on serait fou, on ne serait pas l'Église. Ce serait pas nous. Il y a le péché. On a compris qu'on est intelligent parce que nous avons compris les choses de Dieu. On va être ici, on continue, on persévère. On persévère, on souffre, on continue. C'est difficile, mais on continue. Je ne suis pas un lâche, je continue. Amen. Avant je courais, maintenant je marche. Mon pas se ralentit, mais je continue. Je continue, j'avance, je continue. Avant j'étais un lièvre, maintenant je suis un escargot. Mais je continue. Et plus tard je serai encore un lièvre. Ça va changer de nature, ne vous en faites pas. Il faut continuer. Il ne faut pas aller en arrière, ne marche pas en arrière. Il faut commencer à continuer, continuer, continuer. Noé a dû attendre que la tortue rentre. Il y avait le lièvre qui rentre dedans dans l'arche. Il y avait le cheval qui doit être dedans. Et il faut attendre, pourquoi? Parce qu'il attend la tortue pour qu'il rentre. Il est rentré quand même. Sinon, il n'y aurait pas de tortue aujourd'hui. Maintenant, on a des tordues, mais ce n'est pas des tortues, des tordues. La vérité, c'est que la fidélité, c'est la vraie. Alors, le Seigneur dit à Pierre, voilà, je donne la clé du royaume des cieux, ce que vous voulez. Et à un moment donné, il dit, dès lors, à partir de ce moment-là, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait trahir Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Là, il est en train de parler de ce que va être la suite de celui qui a reconnu Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu, comme nous. Il est en train de mettre le niveau de ce qui est normal, il les avertit. Il dit, je vais souffrir, mais je vais ressusciter. Je vais mourir, mais je vais ressusciter. Parce que pour pouvoir ressusciter, il faut mourir. Vous voulez mourir, c'est comme ça. Et là, Pierre, le prend à part, viens, je vais lui parler. Moi, je vois comme ça. Hein. Il dit, je suis tout petit coucou. C'est plus simple, je suis comme ça. Tout petit parlant, un catalan. Il aurait compris, de toute façon, il comprend le catalan comme bientôt. Je peux te parler? J'ai rien suivi. Il prit à part, écrit, je suis tout le monde. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il se mit à le reprendre. Il dit, il se passe, mais c'est chaud, hein? La chair, c'est incroyable comment elle est. C'est nous comment on peut être. On dirait que c'était pour lui qu'il faisait ça. C'était pas pour lui qu'il faisait ça. Parce qu'en étant un disciple, en annonçant ce message, ça va concerner aussi à lui. Parce que tout disciple a compris, ça va comme son maître. Tu m'annonces que moi j'ai une révélation, cette révélation est de mon Père. Je m'élance maintenant, moi. Mais je ne veux pas souffrir. Or, la vie chrétienne est une vie de souffrance.
accéder à l'entendre, il dit, à Dieu le plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Je veux pas. Mais là, c'est dangereux ce qu'il fait là. Parce qu'il ne veut pas que Christ soit crucifié. C'est-à-dire qu'il devient, la prédication de Jésus-Christ devient un scandale pour lui. Et il dit, heureusement qu'il se reprend. Mais sinon, écoutez la réponse de Jésus, écoutez bien, hein. Il vient de le reconnaître comme étant le Christ. Jésus dit, car j'ai une révélation, ça vient de mon Père, je bâtis mon église sur ça, mais ça n'empêche pas qu'on peut dévier après aussi. Et là, il dit, mais Jésus se retourna et dit à ses pierres, arrière de moi, Satan. C'est fort quand même. Alors, je voudrais vous dire tout simplement que ce que j'ai lu, ce que j'ai appris, c'est parce que je le lis. Satan. Le traite de Satan. Écoutez bien, d'abord c'est clair ce que je veux dire parce que c'est comme ça. J'ai lu que le mot hébreu Satan, avant de devenir un nom propre c'est mon nom. Hein? C'est un nom commun. Moi je suis baptiste, tout le monde s'appelle pas baptiste. C'est quelques années. Mais je veux dire, Satan veut dire adversaire. Et avant, en un mot, tous ceux qui étaient les adversaires d'Israël, en un mot, s'appelaient des Satans. Parce que la définition de Satan, ça veut dire adversaire. Mais c'est tellement devenu, lui, l'adversaire numéro un du christianisme et de Dieu lui-même, que lui, réellement, est devenu un nom propre. C'est son nom, maintenant. Mais en réalité, tous ceux qui sont adversaires de la vérité, vous comprendrez après pourquoi Jésus le dit. Tu m'empêches d'aller à la croix. Tu ne veux pas la croix. Tu ne veux pas la croix qui est la folie pour le païen, mais une puissance de Dieu pour nous. La croix est liée toujours à nous, ça. On n'a pas fini avec la croix. Et il semblerait que Pierre, avec sa gentillesse et sa spiritualité, à Dieu ne plaise, tu n'iras pas. Il dit, ça ne t'arrivera pas. Je ne veux pas que tu sois crucifié. Mais de toujours, on a voulu. Le diable a voulu qu'ils ne soient pas crucifiés. Mais de toujours, ils ne le voulaient pas. Parce qu'il y avait à l'intérieur de la croix la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, et à travers la croix aussi toutes les dominations. Les trois puissances qui existent dans le monde, que personne ne pouvait vaincre, même pas une. Satan, le péché et la mort ont été vaincus à la croix. Il fallait la croix. Il fallait la croix. Elle est inévitable. Et Pierre veut lui faire éviter. Et quand quelqu'un, par sa sagesse humaine, terrestre et diabolique, on peut le dire ça aussi, vient essayer de parler à quelqu'un, mais non, c'est pas la peine, je te peux le faire sans de le voir. Tu veux lui faire faire des faux papiers, lui? Tu vas le courager, toi? Mais non, c'est un adversaire de la croix, ça. C'est un adversaire de la vérité. Vous comprenez bien que tout ça, ça marche aujourd'hui. Vous le savez que je touche un tel quelque chose. Les frères, ne pas entrer dans les détails, vous avez un pasteur pour le faire. Moi, j'ai entendu des gens qui ont des problèmes. Pourquoi la police m'a arrêté. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Mais je n'avais pas mes patients en règle. J'ai des problèmes, priez pour moi. Je suis un tes papiers. Je peux pas, on t'aidera. L'Église est là pour aider. Mais ne fais pas passer ce qui est faux pour ce qui est vrai. M'arrêtez la police, c'est des détails. C'est des détails que je vous dis. C'est partie de la vérité, je vous dis. Je peux franchir une ligne de mètre, une ligne de quantique. Je suis à la voiture, il faut faire 2 km pour faire le tour. C'est simple ce que je veux dire. Écoutez bien, vous allez comprendre ce que je veux dire. Je tourne comme ça, je casse la ligne là. Le moteur arrive. Gage 5 points, 300 euros. Vous arrivez, mon petit punch, 300 euros payés. Tout le souci que j'ai. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il fallait aller au rond-point, faire le tour là. Mais prêche, ça c'est toi qui le dis. Parce que les autorités ont été établies par Dieu. Épître aux Romains, chapitre 13.
pas échapper. Il y a des soucis, ils viennent. Elle sait parce qu'on a obéi à Dieu. Ce n'est pas un problème. Vous souffrez comme quelqu'un qui fait la volonté de Dieu. De toute façon, vous souffrirez. Vous ne pouvez souffrir comme un malfaiteur. Et là, nous ne mélangeons pas la souffrance, frère et soeur. Nous ne disons pas, attends, tout ce que je passe, c'est pourquoi Dieu passe pour ça et ça et ça et ça. C'est faux. Mais toi, arrête. Non, mais comment je ferai après? Dieu s'occupera de toi. Dieu nourrit les oiseaux du ciel. Et tu as expérimenté les bénédictions du ciel, comme quoi Dieu va s'occuper de toi, quand de même, c'est pas possible, Seigneur. Comment Dieu s'est occupé de nous? J'ai laissé ça et Dieu m'a donné ça. Parce que le pain du mensonge vient du gravier dans la bouche. Et votre Père nourrit les oiseaux du ciel. Je peux scandaliser les insensés. S'il y a du scandale dans ce que je dis, c'est parce que la vérité est prêchée alors. Et si quelqu'un se sent scandalisé, humilie-toi si c'est la vérité que tu as entendue, au lieu de te cabrer sur la vérité. Parce que vous avez des églises aujourd'hui qui se scandalisent par les vérités qui sont prêchées. Ne fais pas venir à lui. Il décourage le peuple. Non! On veut que le peuple soit biblique. On encourage le peuple à faire confiance à la parole de Dieu, où Dieu s'occupe de tout. Amen. Selon l'expérience. Il y a un an, j'étais à Paris, je suis resté presque un an à Paris. Ma femme a été malade pendant un an et demi. Elle avait un cancer, vous le savez. J'étais à Paris, en centre de Paris. Vous aviez les Champs-Élysées d'un côté à 700 mètres, la tour Eiffel de l'autre endroit. C'est l'endroit le plus riche de Paris. Vous n'avez rien pour voir. Et l'auteur, c'est votre haut prix. Dieu a établi quelque chose d'incroyable, je vous promets. La responsable, je vous dis ça pour vous dire comment Dieu s'occupe. Est venu nous trouver et disait à l'infirmière, elle, c'était la responsable, il y avait un lit avec un lit à côté qui appartenait à notre malade, s'il devait rentrer. Il disait, ne mettez personne ici à côté. Laissez Madame Baptiste toute seule. Et après, il dit à ma femme, dites-lui à votre mari qui vient d'aller ici, s'il vous plaît. On se passe. Les voyageurs m'ont dit, c'est impossible, vous savez. Pas possible. On dit, c'est arrivé. Dieu s'occupe de tout. Vous avez une vérité. J'avais plus d'argent de l'Arabe qui s'est tout à l'heure. Plus et plus. Je ne demandais rien. Je vais me téléphoner. Je voyais mon code sur mon code, il y avait de l'argent qui rentrait. Ça fait un peu. Mais pour vous dire ce qu'il est capable de faire, mais il ne faut pas se révolter non plus. Quand c'était le moment, il s'est occupé. Dans des endroits où je ne pouvais pas, et Dieu s'est occupé de tout. De tout. De tout. Il prend en charge ses enfants. Amen. Quand un enfant naît, il est pris en charge. Vous voyez le petit bébé là-bas, il est pris en charge. Il était dans un foyer, il ne veut rien savoir. Je ne veux rien savoir, moi, maman, papa. Je veux rien savoir. Je veux le libérer à midi. Je veux à 3h de l'après-midi. Je veux 6h du matin. Tout, même si tu te lèves le matin, tu te lèves quand même, je suis né, tu m'as fait naître, je suis là, tu t'occupes de moi. Et quand on est né de Dieu, c'est pareil, Dieu prend en charge, il prend en charge, il prend en charge. Dans tous les domaines de notre vie, c'est lui qui nous fait le biberon, quand on est petit, il nous donne du lait, c'est lui. Et quand on arrive à un certain âge, il nous fait de la bouillie, sinon il va s'étrangler, il sait nous donner ce que nous avons besoin. Faisons-lui confiance. Amen. Il dit, regardez les oiseaux du ciel, ils nous sèment, ils nous moissonnent. Votre Père Céleste sait de quoi, en un mot, ils nous sèment, ils nous moissonnent, votre Père Céleste les nourrit. Un jour, il était en train de prier dans la rue comme ça, et je voyais, il faisait gris. Quand on se lève, on a plein de soucis, je vous dis, quand je me lève, c'est plein, ça arrive, plein, ça. Alors je repousse tout, j'essaie de tout louer, j'ai besoin. Un jour j'étais devant Manico, quand j'avais un problème énorme. J'étais à Perpignan et je téléphone à Manico, je lui téléphone 3 fois par semaine. À un moment donné, je veux dire ce qu'il m'a dit, il est plus là. Je lui téléphonais tellement qu'il m'a dit, lâche-moi les baskets. Vous entendez Manico pour les baskets? Mais il m'a dit, laisse-moi tranquille, vous les gosses. Je lui ai dit, au contraire, il veut le faire. Hein. Mais on l'a fait comme appeler. Alors je dis, Manico, je pars pour un problème énorme. Je ne sais pas comment faire, je dis, gloire à l'intérieur. Ce qu'il m'a dit au téléphone, loue Dieu. Loue Dieu. Je te dis, loue Dieu.
écoute, mais je vais le faire. Il raccroche, je descends de là, je commence à marcher. Écoutez comment je vais dire. Oh Seigneur. Vous voyez, ne sortez pas. Mais commencez à louer. À louer. Je me suis senti fortifié. Dites-le-moi. La puissance de la louange est dans le problème. J'ai loué. La situation n'avait pas changé. J'avais toujours mon problème. Mais moi, il m'a saisi, comme disait David. Et il m'a mis au large des problèmes. Il n'a pas sorti les problèmes, il a sorti à moi. Des fois, il sort des problèmes, il sort des laisse quand même. Mais non pas un autre, il nous sort des problèmes. Par la puissance de la louange, il est par là que Dieu s'occupe de tout. Aimons la vérité. Même si c'est un scandale, même si on est minoritaire, même si la majorité, vous savez ce qu'a dit un homme de Dieu? La vérité reste la vérité, même si personne ne la pratique. Et le mensonge reste le mensonge, même si tout le monde le pratique. Parce que quand on dit que tout le monde le fait, ce n'est pas une preuve que c'est quelque chose de bon, ça reste mauvais. Le mauvais reste le mauvais, même si tout le monde le fait. Mais la vérité, il n'y a personne qui l'a vu, mais ça reste la vérité. C'est bon ça. Rien ne change ce qu'est Dieu. Même si personne ne le fait, même si on n'est pas un seul chrétien qui existe, la vérité existe toujours. La vérité nous a franchis, nous rend libres. Alors là, le message a été fort. Arrière de moi, Satan, je ne sais pas quelle est la vie, mais je ne sais pas quelle chose à dire, je le dirai l'autre fois, tant pis. Hein. Arrière de moi, Satan, tu me mets un scandale et dis, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Vous voyez, il ne parle pas du diable, il parle de l'homme qui devient l'adversaire. Arrière de moi, Satan, adversaire, parce que tu es contre la vérité. Et en étant contre la vérité de la croix, tu deviens toi-même maintenant, pourtant tu es Pierre. Donc il dit mon nom. Non. Adversaire de la croix. Parce que Satan veut dire adversaire. Oh, je suis possédé, non. Si tu continues, tu t'en dépends. Attention. Tu as touché au péché, après tu ouvres une porte, après le diable c'est qui veut. Parce que le seul moyen de rentrer, c'est le péché. Jésus a dit, je suis la porte. Ne va peur que par moi. On sait ça. Mais le péché dit, je suis la porte du diable, moi. Le diable ne peut rentrer que par moi. Péché. Dans le péché, on met de côté, on chasse, on n'en veut pas, j'en veux pas, je souffre, je prierai, je demanderai de l'aide, et je continue. Je demande de l'aide à des frères, je ne veux pas pécher. Pas pécher, Seigneur, pas pécher. Pas désobéir. Je veux ta parole, Seigneur. Arrière de moi, Satan. Alors, Jésus continue le message, mais on comprend mieux ce qu'il dit à Pierre. Écoutez ce que dit Jésus tout de suite après. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, et voilà la suite, qu'il renonce à lui-même. Premier ennemi, nous-mêmes, il dit. Renonce à toi-même, il dit. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Dieu demande qu'on perde sa vie. Ses raisons, tout ce qu'on est. Ouais. Terrible. Que j'ai envie de te dire, c'est normal ça. Alors les autres disent, mais non, mais d'est-ce que t'as dit ça, toi, sinon je ne peux pas me défendre. Si je n'ai pas fait du bien à mon corps, dans ma vie, c'est pas m'humilier, Seigneur. C'est vrai qu'à un moment donné, David a dû partir de Jérusalem, parce que son fils, Absalom, voulait le tuer. Il y a eu un coup d'état de son propre fils, vous vous comptez. Donc il voulait partir. Et même le sacrificateur et même le prophète, il veut prendre l'arche, il dit, on te suit, il dit non, on laisse l'arche ici. Non, moi pour le moment, je pars par là. Mais si Dieu veut, il dit, je reviendrai de toute façon, si Dieu veut que je revienne, et l'arche sera toujours là, il dit. Ne quitte pas Jérusalem. Et lui, il s'en va. Et à un moment donné, il monte les montagnes, le mont des Oliviers. Je ne sais pas si vous avez lu ça. Il y a des gens qui sont à côté, vous avez un fils de Saül qui prend des pierres, qui marche à côté. Il dit, maudit sois-tu, David, maudit sois-tu, le méchant. Mais il a un guéri à côté.
Tu veux que je lui coupe la tête à ce chien, il est? Qu'est-ce qu'il fait ça? Et David lui répond, non, il dit, laisse. C'est peut-être l'Éternel qui lui a dit, demandait David. Il lui jetait de la poussière dessus. Mais ça vient de Dieu qui l'humilie, il dit, j'ai besoin de ça. On a trop besoin que les gens mettent de la terre dessus, on n'a pas des fleurs. On risque plus de tomber avec des fleurs qu'avec la terre. Tu peux frère, tu n'as pas de occuper que toi. Stop. Stop. On est chercheur de ça. Je sais de quoi je vous parle. Alors le Seigneur dit non. Il faut que tu te charges de ta croix. Et que tu me suives. Le christianisme est là. Alors, je vais finir. J'avais d'autres exemples. Quand le Seigneur arrive maintenant, je prends 5 minutes de plus. Je vous cite encore un exemple, mais que je crois que je ne l'ai pas oublié. Même si j'oublie autre chose, l'évangile de Jean, je prendrai. Vous avez entendu que Jésus a dit, tu me mets un scandale, tu mets un scandale. Il y a un scandale là, il y avait. Donc, il a été devenu scandaleux par sa façon de faire. Et Jésus le remet en place, l'évangile de Jean. Je prends l'évangile de Jean. Et je prends au chapitre 6, je m'explique vite fait, ça a été la multiplication du pain. Les gens du lendemain cherchent Jésus partout, il est parti autre part, et les gens se renseignent, ils le cherchent partout, et quand ils arrivent à un moment donné, ils arrivent à un endroit, et quand ils sont arrivés à cet endroit, puisqu'il avait multiplié le pain, je suis au verset 23 du chapitre 6. Pour ceux qui suivent, écoutez ce qui est écrit. Le lendemain, il dit, le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu, écoutez bien, ça c'est clair, ça c'est propre, c'est beau, ce que je vous dis ici, c'est écrit, que ni Jésus, ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques, et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Qu'est-ce qui a permis que ces gens-là cherchent Jésus? C'est que si Jésus n'y était pas, il était normal que ses disciples n'y soient pas. Vous me comprenez? Ça veut dire, écoutez bien, soyez là ce matin, c'est un peu long, c'est peut-être fatigant, mais vous ne pouvez pas prendre la Sainte-Seine sans être d'accord avec la Bible. Sinon, abstenez-vous. Parce que le pain, c'est la parole de Dieu qu'on mange d'abord, qu'on concrétise avec du pain. Alors, là, les gens arrivent à cet endroit où étaient hier ils étaient, maintenant ils n'y étaient pas. Ils arrivent à cet endroit et ils s'aperçurent, le texte dit que ni Jésus, ni ses disciples étaient là. Je sais, mais c'est normal, logiquement. Mais non, il dit, non. C'est qu'aujourd'hui, moi, où je ne suis pas, il y en a qui sont. Moi, je ne suis pas. Qu'est-ce qu'ils font là? Les gens de réunion, ils font ce truc-là. Ils disent, mais moi, je ne suis pas. Est-il possible que Jésus n'y soit pas? Oui, la preuve. C'est qu'eux, ils y sont, ils ne sont pas. Il y a des endroits, écoutez bien, les soeurs et frères, aujourd'hui, on dit les choses comme ils sont. Si Jésus n'est pas dans un mariage païen, qu'est-ce qu'on a à faire devant nous? Puisque lui, il n'y est pas. Vous l'imaginez, vous, je peux vous le faire. Avec les tambours, la fête, la couleur, l'alcool, les poissons, et tout ce qu'il y a, tout ce qui se passe, vous rendez compte de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Il se passe rien. Qu'est-ce que je fais, moi? Si j'ai un jour la saumon, là, l'écho, le piano, la guitare, les frères, la guitare, là, elle ne sait pas pour jouer du flamenco, là. Sinon, c'est pas normal. Elle joue que pour des cantiques. C'est pas une guitare gypsy king, ça. La réunion. Donc, si moi je dirais aux frères ici, à toi et aux anciens, je fais un mariage, je fais une fête, je suis pas de solo, tu peux me prendre le piano, la sono, le micro, tout. Et elle me dit, je peux pas. Ça sert que pour Dieu. Nous avons sanctifié ça. Oui. Le mettant à part pour Dieu, il y a le mot sanctification. Parce que le mot sanctification, il est mis à part pour. Et vous avez
devait sanctifier plus vite tout ce qui appartient à l'Église que pour Dieu. Et c'est normal. C'est un scandale, les frères. Si nous sommes sages, on ne peut pas être tradition. Hein? Je vous tire l'oreille, il n'y a pas de chrétien. Mais c'est pas ça. C'est possible. Parce que si vous avez la vérité, je vous dis ça, mais ça, ça sert à autre chose. Donc vous avez sanctifié tout ça. Ça ne rentre pas ici dans un mariage, ça. Mais une fête païenne. Il n'y a pas d'autre chant dedans. On n'entend pas de flamenco dedans. La guitare, je ne fais pas de gris-gris pour la boule non plus. Donc c'est sanctifié. Le micro dit, moi je parle, je vis que pour Jésus. Bien, nous parlons lui. Moi je sais que Jésus. Tout le monde se sert de moi que pour Jésus. Je sais que pour Jésus. Pour chanter des cantiques, pour prêcher la parole de Dieu. Le piano pour Jésus, la guitare pour Jésus. Et tout le monde me parle, je fais parler à la guitare. Pourquoi tu sers que pour Jésus? Et toi? Que Jésus. Et toi? Que Jésus. Pourquoi? Parce qu'on est saint. Alors toi, tu serais plus saint que moi? Pas au micro de toi. Comment tu serais plus que moi, toi? Non, non. Je suis plus que toi, moi. Pourquoi? Parce que moi non plus, je ne l'ai pas. Parce que moi non plus, je ne le dis pas. Parce que moi non plus, je ne le dis pas. Je parle de toi. Parce que Dieu ne me prête pas pour le monde, comme moi je ne prête pas le micro pour le monde. Si le monde me demande à moi, tu ne peux pas prêter Xavier parce qu'il chante un peu bien. Quoique c'est ridicule, je te dis. Mais vous avez des gens qui ont des chants, vous pouvez me dire. Et on est qualité dans l'église de jouer à la guitare, le piano. Mais quelqu'un dit, puisque tu joues bien, toi, tu ne pourrais pas nous accompagner un peu de flamenco là-bas. Le Seigneur dit, je ne te prête pas, moi. Je ne te prête pas. Tu es en moi. Je t'ai sanctifié. Tu es en moi. Tu n'as pas autre part. Tu dis pas autre chose. Mais ce que je dis là pour avec le scandale. Les gens qui disent, mais c'est pas la chose, scandale. Scandale, vous en faites plus que les autres, toujours plus que les autres, vous avez vu plus que les autres. C'est non. Si je ne suis pas. Nous n'avons plus dit les disciples, c'est normal qu'ils ne soient pas. Vous ne trouvez pas Jésus, mais nous non plus, vous ne trouverez pas. Alors ça a obligé à chercher Jésus. Ils l'ont cherché, ils arrivent à un endroit, ils l'ont trouvé. Écoutez la réponse de Jésus. Jusqu'à fond, mais Jésus est formidable quand il parle de lui. Alors, il dit que les gens de la foule ayant vu que Jésus était là, et ses disciples, ils l'ont trouvé au-delà de la mer, ils l'ont trouvé, ils sont arrivés à le trouver. Et quand ils l'ont vu, il dit, Jésus lui répondit, il dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Rabbi, maître, quand es-tu venu ici? Encore, je vais te parler. Il est en train de mettre le sceau de ce qu'il est lui-même. Laissons-le parler. Ne parlons pas pour lui. Laissons-le parler. Il est gênant. Il gêne, là. Écoutez ce qui gêne. Écoutez ce que dit Jésus, c'est pas gênant. En vérité, je vous le dis, dit Jésus. Vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles. C'est pas mal, déjà. Puisque je te cherche en sachant qu'il y a quelqu'un qui fait des miracles. C'est pas mal que je t'honore comme ça, quand même, non? Je crois qu'on fait des miracles, lui. Il n'y a pas de problème. Et je lui dis, non, mais c'est pas suffisant, ça, lui. Écoutez ce qu'il dit. C'est pas parce qu'on a vu des miracles, mais parce qu'on cherchait l'intérêt du miracle. Vous ne cherchez pas le miracle pour chercher la gloire de celui qui fait le miracle. Vous cherchez l'intérêt du miracle. Non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé du pain, il dit, et que vous avez été rassasié. Alors là, il dit, travaillez. Non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste à toujours, qui est pour la vie éternelle, que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père a marqué de son sceau. Il dit, dépensez-vous, vous avez ramé jusqu'à moi. Vous suivez? Vous m'avez cherché d'un côté à l'autre, et vous avez ramé pour arriver jusqu'à moi. Vous êtes dépensé, vous dites que vous mangez. Vous avez fait un pèlerinage. Parce que vous me cherchez, je sais pourquoi vous me cherchez. Parce qu'il y a intérêt. Le christianisme, quoi, les sœurs, soyez fiers de ce que je vous dis. C'est pas un intérêt, c'est pour lui. Même si on a ça, ne rapporte rien sur la terre. Mais met l'autre à ça, l'autre à ça, t'en fais pas, il dit, je te donne le meilleur. Et c'est moi le meilleur pour l'Église. N'oublions pas, c'est lui le meilleur. Et c'est pourquoi on le cherche, en amour. Le message a été plus loin, j'arrive à ça. Le message continue.
Père du ciel, il parle sur la manne dans le désert, il parle que les pères ont mangé sur la manne dans le désert. Il voulait une boulangerie. Il voulait 40 ans comme ça. Il dit, tiens, on l'a, ça y est, on l'a celui-là. On va avoir du pain et du poisson pendant 40 ans sans rien payer. Les restaurants du cœur, mais sans le cœur. Donne-moi, bénis-moi, donne-moi, top. Et là, Jésus apporte le message plus haut. Et là, il va devenir un scandale, lui. Parce qu'il amène le message à dire, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie de vous-même. Et là, arrive le message, verset, des paroles qui ont scandalisé, pas n'importe qui, plusieurs de ses disciples, après avoir entendu verset 60, dire cette parole est dure, qui peut l'écouter? Ça y est, la révolte ne vient pas de ceux qui ont ramé, mais de ceux qui étaient avec lui. Et je vous promets que la révolte va venir de chez moi après. Si quelqu'un ne veut parler plus loin, le message ira plus loin. Le message ira plus loin. Le message ira plus loin. Et on va se sentir touché, tellement touché, que si on ne dépose pas les armes, il va y avoir une autodéfense qui va s'établir. Et le texte dit bien, écoutez bien, Jésus sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, et ça je l'ai noté, c'est pas qu'ils ont voulu laisser. Il y a eu un sujet qui ne leur convenait pas. Mais c'est suffisant pour Jésus, quand il y a un sujet qui ne convient pas à personne, pour dire « il ne me veut plus ». Et donc ça, oui, puis ça, non. Donc c'est tout ou rien. Parce que le diable disait, Yvon Charles disait un jour, le diable est semblable à quelqu'un que quand quelqu'un a tricoté un pull, avant, ça tricotait, et quand il y a un fil qui dépasse, le tricot, il prend les deux doigts, il dit, il le bloque avec ses deux doigts, il te laisse partir. Il aura le pull, il dit. Parce qu'il sait que ça va se défaire. Et si vous avez un pull jusqu'à là, au bout de chemin, vous l'aurez ici. Avec deux doigts. Il prend deux doigts. La Bible dit de donner pas que c'est le diable. Mes frères, je vous dis ça, je sais de quoi je parle. Parce que je sais le combat que j'ai pour ne pas donner de l'accès au diable. Le diable dit surtout, ne sois pas déséquilibré, même si tu désobéis à quelque chose, c'est rien, c'est faux. Demande-lui, Seigneur, ta parole est la vérité. Amen. Je ne suis pas au niveau. Je suis loin d'être là. Mais ta parole est la vérité. Amen. Seigneur, je me plie à ta volonté. Merci, aide-moi. Supporte-moi. Une chrétienne disait dans sa prière, cette sœur disait un jour, elle disait dans sa prière, Seigneur, ce que tu me demandes là, je n'ai pas la force de l'accomplir. C'était une sœur fidèle. Mais elle disait à Dieu, Seigneur, ce n'est pas à toi de céder. C'est à moi de céder. Amen. Continue. Amen. Je ne suis pas au niveau. Mais continue. Amen. Ne cède pas. C'est à moi de céder. C'est une prière honnête, ça. Dieu nous aide. Alors à ce moment-là, le Seigneur dit tout simplement, quand il a vu ce qui s'était passé, je finis là. Il dit que je vous ai dit que Dieu ne peut venir à moi si. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien, je vous dis qu'un peut-être comme ça. Hein? Les paroles que je vous ai dites sont d'esprit et vie, la chair ne sert à rien. Alors, c'est pourquoi je vous le dis, que Dieu ne peut venir à moi si le Père nous l'attire d'abord, si nous attendons le Père. Dès ce moment, verset 66, plusieurs de ses disciples se retiraient dans les cœurs avec lui. Et c'est là que le Seigneur dit, êtes-vous dans l'intelligence, et c'est là que le Seigneur a dit aussi, cela vous scandalise-t-il, verset 61. Mon message vous scandalise, maintenant il est obligé de se tourner, au lieu de faire de les païens, les gens qui viennent, ils doivent se tourner vers les ciels. Il leur dit aussi, comment ça vous scandalise à vous? Alors qui j'avais moi? À vous ça vous scandalise? Alors, à qui je peux me fier? Et le Seigneur ne s'est pas intimidé par la quantité de rien. Hein. Et ils s'en vont, ils le quittent. Ils s'en vont. Mais ça se voyait quand ils partaient, je disais un jour. Quand ils quittaient Jésus, Jésus était là, en personne, en chair et en os.
Et si je quittais Jésus, vous voyez la distance qui s'était établie entre moi et Jésus. Je partais à 10 mètres de lui, j'étais à 10 mètres de lui. Parce qu'il était sur la terre. Mais maintenant, comment on fait? On ne le voit pas. Comment on sait qu'on s'éloigne de lui? Quand on s'éloigne du livre, quand on s'éloigne de la vérité de la parole de Dieu, écoutez bien, nous prenons une distance avec Jésus. Avant, c'était plus voyable, maintenant, c'est moins voyable. C'est la même chose, il dit. Tu t'éloignes de la Bible, tu t'éloignes de lui. Il n'y a pas d'autre chose d'alternative. Cela vous scandalise-t-il? Alors, Simon Pierre répond au Seigneur. Quand Pierre, quand le Seigneur a dit, et vous, vous ne voulez pas partir aussi? Alors, ils ont dit, Seigneur, à quelle autre vie nous mettra? Une belle parole, ça, quand même. Hein? Je comprends aussi comment, que c'est compliqué ce que tu me dis. Mais à quel autre tu veux qu'on aille, toi, les paroles de la vie éternelle? On te croit, même si on ne comprend pas tout, on te croit quand même, non? On te croit, toi? On sait que tu es le meilleur pour nous. Et c'est cette parole que le Seigneur. Il t'attend de nous, que nous lui disions tout simplement, Seigneur, même s'il y a des choses qui me scandalisent moi-même, même s'il y a des vérités qui ont scandalisé mon cœur, que j'ai prêché moi-même et que j'ai lues, ne vous révoltez pas contre la vérité. Amen. Amen. Aimez-la. Elle a un but, la vérité. C'est qu'elle soit avec vous toute la vie, jusqu'à la fin du monde. Amen. Pour que les promesses subsistent, je suis avec toi pour toujours, jusqu'à la fin du monde. On prie le Seigneur. On est heureux, Seigneur. Parce que ta parole est la vérité. Ce qui fait notre force à nous, c'est ce que Dieu dit. Je dis. On est notre force, Seigneur. Ce que toi tu dis. Et aujourd'hui, on n'entend plus ce que Dieu dit. On entend ce qu'on dit parce qu'on veut ressentir. Et ta parole n'a rien à voir avec nos sentiments et nos sentir à nous. Elle est là comme moi, pareil. On ne touche pas les émotions ni le sentiment. Elle nous dit, suis-moi. Suis-moi. Elle porte l'autre, toi, suis-moi. C'est un appel pour moi et pour nous, ce matin, c'est nous qui le disons ici. Que vous importe l'autre, nous autres, de la façon qu'on fait autre part. Vous, suivez-moi.